Bon bah nous y revoilà sur une belle aventure déjà connue puisque c'est la troisième année que je viens sur l'EDF Sony Tour à Valsony. Un petit parcours qui se balade entre la Haute-Maurienne et le parc de la Vanoise. Un tout petit parcours de 60 bornes avec 3500 des plus. Et j'ai la chance d'être avec le potos Dimitri. Salut, salut. De la chaîne Run Addictive. Je vous mets le lien de ses vidéos dans ma description. Ça fait bien plaisir de retrouver un potos normand à l'autre bout de la France et d'aller partager ce petit trail. Facile. Grand plaisir avec toi. Ouais, on verra ça dans 30 bornes, c'est le plaisir. On en reparle dans 8 heures. Dans 8, 12 heures, 15 heures, on sait pas. Ça va le faire, on y croit. Après mes bonnes galères là sur les derniers trails, celui-ci y a pas moyen, faut que je le boucle là. Tu me mets des coups de pied au cul, je compte sur toi. On va y aller, c'est clair. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Bon bah c'est le départ. Et qui dit départ dit cri du départ. Excusez-moi, j'ai réveillé tout le monde là. Tranquille, tu vas l'enrayer là. C'est ça. Ils vont te donner un petit coup de fouet pour la première côte. Il faut rester à côté de moi là. Ah. Je vais peut-être pas avoir assez de force à donner des coups de fouet tout le long. Hein. Alors je sais pas si vous pourrez bien voir, mais sur l'EDF Sony Tour, on assiste à des phénomènes. C'est-à-dire qu'il y a des gens déguisés. Vous pouvez voir Dimitri à gauche là. Il a un déguisement spécial. Il nous a dit qu'il avait perdu 4 kilos, maintenant on comprend. Il fait sauna sous son sac poubelle. La tenue spéciale sudation. Ouais, tu m'étonnes. Et quand t'as chaud, t'es tout nu ou... Ouais, bah oui. Tu fais les deux extrêmes. Un vrai petit verre de terre. Juste pour vous dire, c'est que... À voir Dimitri, on pourrait croire qu'il fait froid. Hein. Mais on est en manche courte. Et il fait chaud. Bornes et 700 des plus. Ça te met en jambes pour commencer ça, tiens. Bon, par contre, juste pas de bol. Comme pour lutter 4ème il y a 15 jours. Voilà. La météo est complètement bouchée là-haut. Bon, la première partie pour grimper jusqu'au col de la Petite Dura se fait sur beaucoup en forêt. Et là, on sent qu'on a déjà commencer à bien grimper parce que les températures chutent et il fait pas très très chaud ici, alors j'imagine pas là-haut. Au briefing, l'organe nous a prévenu que ça devait normalement à peu près s'améliorer vers 10h du mat, mais à partir de 2005 on peut avoir de la neige. Et je vous rappelle que le parcours de l'EDF Sony Tour navigue entre 1400 mètres et 2730 pour le col de la Mette, le fameux col où on a une super vue sur le lac de Mont-Cenis. Enfin, en tout cas pour le trail rouge, parce que moi aujourd'hui je vais vous parler du trail rouge. 60 bornes et 3600 des plus annoncés. Tu vois en face là, c'est là qu'on va. Et donc pour la vue, bah pas vu, pas pris. Et l'autre débile là qui fait le con derrière. Voilà, bon en gros on monte là-haut, tac tac tac. Col de la Petite Tura, tac tac, c'est fait, pof on descend. Tac tac tac. Ça remet dans les souvenirs de l'année dernière. Et un mec il disait à juste cause que là il y avait une marmotte l'année dernière. Ils l'ont pas remis. S'il te plaît, monsieur EDF Sony Tour, tu me remets ma marmotte. Moi j'adore les marmottes. En plus moi j'ai toujours dit que je voulais des jambes de chamois. J'ai eu le cul de marmotte à la place. C'est l'arbre, c'est la loose. Donnez-moi mes jambes de chamois. Et alors je suis contente parce que
Aujourd'hui, j'ai pris une nouvelle technique. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une tactique. Hein. Ouais, je suis partie sur ce trail sans sortir les bâtons au départ. Je les ai dans le dos, bien sûr. Je me sens pas encore assez guérie pour faire 60 bornes en montagne sans bâton, je vous rassure. Je me suis dit qu'en fait, il y a des moments, j'avais cette impression où ça me fatiguait plus que ça m'aidait. Je voulais faire le départ sans bâton. Et en fait, bah, je suis arrivée à 10 bornes et 1000 des plus sans bâton. Et je ressens pas la nécessité de les sortir. À mon avis, au deuxième col, là, col de la Mette, ils vont sortir. Mesdames et messieurs, on est au col de la Petite Tura, 2640 mètres après 12 km de course. Et comme vous pouvez le voir, à droite, on voit rien. Et à gauche, on voit rien. Là en dessous, je t'explique, normalement il y a le lac du Mont-Cenis. C'est juste qu'on est en mode pas de bol cette année. Et donc c'est à partir de ce col, de la Petite Tura, qu'on retrouve des trailers du Noir. Le Noir qui fait 80 km, 20 bornes de plus que nous. Vous êtes courageux. Bon, la descente là, dans le premier ravitaillement, pas forcément très roulante. Hein. Elle est assez technique. En plus qu'il a flotté là depuis 2 jours. Du coup, bah, ça glisse un peu beaucoup. Et c'est un peu casse-pâte là. Mais on entend la vie en bas là. On entend. On commence à entendre quelques voitures klaxonner, des gens applaudir. Donc on y arrive au ravito. Allez, direction ce premier ravitaillement. Et regarde, c'est un peu mystique. On dirait des petits fantômes chèvres là, tellement elles sont belles et blanches. Y voilà, premier ravitaillement après 13 bornes, fait en 2h30 et 1000 des plus. Et bon, on est pas mal. Hein. On est même plutôt bien. Donc, mesure sanitaire oblige. Le petit masque. Le petit masque. Le gel hydro obligatoire. Bonjour, bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Oh, oh, qu'elle est belle. Ah, merci. La victoire. Ben, oui, et il y a 2 ans aussi. On va faire une carte de fidélité. C'est ça, mais vous êtes tellement trop choupi qu'on a... ça vous nous donne envie de revenir en fait. Je veux bien deux petits gâteaux. Ça va être pour me balader. Et après ma gourmandise, c'est le fromage. On voit ma marquette. Ouais, vas-y, on voit la marquette. Voilà, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Et vous? Très bien. Super. Ça se passe très bien. Bon. Il manque juste un peu de soleil, quoi. Ouais. Bon, bah allez, c'est parti. Hein. Go, go, go. Je resserre ça parce que je suis en train de perdre un ongle, là, je crois. Là. Bon, bah voilà. La belle grimpette jusqu'au col de la Mette. Elle commence là, la vraie grimpette. Tu te rappelles de la vue là l'année dernière? C'était pas la même que là tout de suite. Je te montre ça tout de suite en vidéo. Juste pour te dire que cette année, on n'a pas eu de bol. Mais qu'en cas de beau temps, ce trail est magnifique. Cette côte là, je crois que t'as l'impression qu'elle finit jamais. Est-ce que tu crois qu'elle finit là-haut? Mais non, non, non! Il passe encore après. Genre de côte qui illustre très bien ce dessin.
Je suis carrément en train de vivre ça là. À chaque virage, tu te dis bon, allez, c'est bon. Et non, c'est pas bon. En même temps, là, t'as vu le monstre là? On vient de derrière là-bas là. Il en reste encore un bon gros morceau. Là, je sais rien. Continue d'avancer. Par là, par là, un coup par là, après tu montes, tu descends, ah non tu descends pas, tu fais que monter, tu fais gauche, droite, et t'arrives, oh, on y est là, regarde, on arrive, ah. Ouh. Non mais t'as vu ça? Alors je t'explique l'histoire. C'est qu'entre mon licornin et moi, voilà, on n'est pas un cadeau de fou ni rien, on est plutôt genre cadeau nature. Et il y a une fois, j'ai trouvé un très joli caillou, mais c'est sur ce trail en plus. J'ai trouvé un très joli caillou, un petit, et je lui ai offert. Et là, t'as vu la pierre que tu veux me donner, hein? Alors que moi, des petits cailloux. Lui, il veut lester mon sac. Pour pas que j'arrive à monter là-haut, là-haut, là-haut. Mais j'y arriverai. On commence enfin à avoir une demi-vue. Alors je la prends tout de suite. Parce que de là-haut, on sait pas trop si on verra aussi bien. Tellement désolée. Du coup, je me dis qu'on a eu bien de la chance de le vivre deux fois déjà. Et bien, on ne l'aura pas cette année. Par contre, là, on est sur le point culminant du trail, à 2730 mètres. J'ai une pensée pour mon étoile. Bonne grosse descente dingue là sur une piste de ski l'hiver. Bon ben voilà, ravito numéro 2 à 23 km, 1008 des plus et un bon des moins là. Un petit moment de confort mais rapidos quand même. Quand je viens sur un trail en montagne, je me régale à l'avance des paysages que je vais voir, de la technicité du terrain. Je me dis que tu grimpes un truc pendant 2 heures et la récompense c'est de se retourner et de regarder le paysage derrière toi. Sauf que
Bah, des fois, la météo, elle est pas trop d'accord avec ça. Et donc, elle nous fait un truc un peu plâtreux comme on a aujourd'hui. Et du coup, t'as pas cette satisfaction de voir des waouh paysages. Et en fait, j'ai remarqué qu'en échange, mon attention est portée sur d'autres trucs sur lesquels j'avais jamais focalisé avant. Et en fait, là, c'est particulièrement les fleurs. Ça fait quelques kilomètres que j'admire toutes les fleurs que je croise. Toute la flore qui m'entoure, je la trouve magnifique. On peut quand même voir ce magnifique lac d'Arcole. C'est toujours là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Bon, on arrive à Bessan. 34 bornes, 2000 des plus, en 6h30 de course. On va se poser un petit peu, se changer parce que je suis trempée moi. Se ravitailler et après ben, on remonte en face là. Sauf qu'on a toujours pas de chance, c'est qu'arrivé là-haut, bah, ce sera bouché. Là c'est bon, c'est bon. On est bon ? On est pas mal, mais bon. On peut y aller ? Allez. Allez, bon, alors on y va. Au revoir Bessan. Bon bah au revoir Bessan. Il reste plus que la même chose que ce qu'on vient de faire quoi. C'est ça. Bon bah allez, c'est reparti les amis. C'est reparti, c'est reparti. Et bah après la big ascension vers Vallombrun
Et c'est super descente où on s'amuse tous les ans comme des fous avec Alex. On adore cette descente. Je la trouve hyper ludique. Elle est bien raide. Elle est bien sympa. Et bah voilà, après tout ça, on arrive à l'avant-dernier ravitaillement. Avant-dernier ravito. Et dernier col droit devant. Il y a monsieur Clochman qui est. C'est une famille, un groupe d'amis qui a une grosse cloche et qu'on a vu je ne sais combien de fois sur le parcours. Et je voulais vous remercier si un jour vous regardez la vidéo. Merci beaucoup à tout ce petit groupe qui est hyper boostant. C'est trop rigolo de vous retrouver comme ça. Merci beaucoup. Merci. Ah bah, on va là-haut là. J'avoue que j'angoissais un petit peu à l'idée de retrouver cette côte qui l'année dernière m'a fait pleurer. Elle est bien dure celle-là. C'est la dernière, c'est le dernier col à passer. Je lâche rien. Et j'ai toujours pas pris de bâton. Peut-être que là, et vous m'appelez. J'ai rencontré trois super Belges dans la dernière montée de fou. Je trouve, à mon goût, c'est la pire. C'est ce que je vous ai dit en bas. L'année dernière, elle m'a fait pleurer celle-ci. Et cette année, un petit coup de chaleur. Un petit coup de chaleur. Mais je crois en toi. Ça va aller. Ça va aller. Vous allez la finir ? Oui, bien sûr. On se voit à la fin. On se prend une bière. Cool. Écoute, s'il y a moyen, pourquoi pas ? Si on a. Voilà, Inch'Allah. Oui. Bon. Très contente de vous avoir rencontré. Bah, nous bon aussi. Courage à vous. Au bar alors. Hein. Et on se voit au bar avec grand plaisir. Merci. Oui. Pardon. Un autre truc, le col du Cruchet. Faudrait prévoir un, comment dire, un fauteuil Stana pour le monter. Ou un autre truc, tu vois, un élévateur ou un hélicoptère. Comme ça, tu me prends dans ton hélicoptère, tu me lilitroyes jusqu'en haut du sommet. Tu vois, moi, j'ai pas besoin d'hélicoptère, j'ai pas blessé rien, mais je voulais faire un coup de l'hélicoptère. Donc tu me lilitroyes jusqu'en haut du sommet, puis voilà. Là, parce que le col du Cruchet, là, je pense qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord pour dire avec moi, mais quelle horreur ce dernier col. Il est trop dur. Bon, bref, on arrive. On retrouve le bitume. Voilà, on passe le pont qui me dit. On passe le pont qu'on arrive. Bon, allez, je te reprends à l'arrivée. On l'aura fait celui-là deux fois. Et en plus,
aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais petit challenge de le refaire différemment, c'est-à-dire sans les bâtons. Et finalement, bah, c'est passé. Alors, je les avais dans le dos, hein, au cas où. Mais je me dis que j'ai réussi à faire ce truc sans bâton. Et j'ai pas trouvé ça beaucoup plus difficile, pour être honnête. Et j'ai pas beaucoup plus mal aux jambes. On va kiffer notre arrivée, là. Elle est là, notre arche. Elle nous attend. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est quoi? Ouais. 19h25, Mike, toi, faut faire 10 minutes de moins que l'année dernière. Waouh. I'm dead. C'est compliqué, hein, des trails aussi longs. Au final, combien d'heures a mis de temps? 13h25. Je crois que l'année dernière on a dû mettre 10 minutes de plus. Mais bon, le kiff de l'avoir partagé avec mon licornin. Et aussi du coup avec Dimitri qui malheureusement t'a fini tout seul parce que j'ai fait ma grosse larve à la fin là. Ah, t'étais pas très très bien mais. Non, j'ai pas été très très bien. Bon, j'étais allé 10 minutes devant toi. Ouais, j'ai vu un hérisson marmotte par terre, toi. Je sais pas ce que vous t'es là, Alexandre n'a pas compris. Bon, ouais, c'est t'as bien, mis bravo. 10 minutes de plus du coup. Voilà. Deux moins. Ok. Ah bah ça va pour les deux malaises que j'ai fait là-haut, 10 minutes, j'ai géré finalement. Voilà. En tout cas, bravo à toi. Bravo à toi, moi aussi, carrément. Fière de toi. Et suivez ce qu'elle fait, c'est vraiment très très bien. C'est trop Sophie, merci beaucoup. On va aller se détendre. Se détendre. Profiter des quelques dernières heures qui me restent là. Dans la montagne. Ben, t'es là-haut. Au plus près de mon étoile. Voilà, quand je suis sur votre trail EDF Sony Tour, je vais au plus près de mon étoile et je vous en remercie. Bon, en tout cas, c'est un super trail, une orgue à cadrer, hyper familiale et choupi. Des paysages. Alors aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas eu le temps. Comme je vous l'ai dit, je suis tellement déçue pour l'orga et les trailers qui sont venus cette année parce que on n'a pas eu la météo qu'il fallait. Enfin voilà, pour avoir les super paysages. Offre le DF Sony Tour, mais promis, normalement c'est pas la même météo tous les ans, n'hésitez pas à venir, il y a plusieurs distances, chacun y trouvera, je crois, à partir il y a un trail kid et je crois que ça part de 12 bornes jusqu'à 80 bornes, donc chacun peut y trouver son compte. Mais leur gars est choupi et familial et c'est pas un énorme trail hyper commercial et voilà, c'est les orgas que je préfère et que j'adore. Sur ce, je vais aller me reposer et vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Je voudrais faire un petit message à l'orga. Rien de méchant, parce que votre parcours est dingue et merveilleux. Mais juste un petit truc. Si vous pouviez modifier cette arrivée, où tu te tapes 3 ou 4 bornes autour des champs, tu sais, à un moment donné, ça c'est pas très terrible. Alors je sais pas pourquoi il y a ça, sachant qu'au final on fait quand même genre 63-64 km au lieu de 59. Bon, je vais pas me plaindre de faire des bornes en plus, tout ça, mais si les bornes elles pouvaient ne pas être autour d'un champ comme ça, ça pourrait être bien. Parce que là, c'est long et chiant. Et non, attends. C'est long et chiant, ce chant. Bon. S'il te plaît, l'organisation. Juste ça.
Bon, Dimi, il est en train de prendre son café au bar. Ouais, c'est que... Vous avez des bières? Café. Oh merde, il y a de la bière en plus. On va prendre une petite bière avant de partir. C'est tout, c'est tout pour la bière, ouais. Tu trouves? Il n'y a pas d'or pour les braves. Il n'y a pas d'or pour les braves. Le petit saut de l'ange. Ça, il t'a foutu une mine. Oh la vache. Heureusement qu'on t'a. Voilà. Le mec bosse dans un service technique et vient de réparer le bâton du licorne. Je suis désolé, il faut savoir tout faire. Voilà, fonctionnaire. Attends, est-ce que ça marche jusqu'au bout? Voilà, monsieur. Attends. Attention, test produit. Test produit. Test produit. Un petit peu long, là. Un petit peu long? Tu veux que je rétrécisse? Là, c'est bon. On est bon? On est pas mal. On est bon. On peut y aller? Allez. Allez, bon, alors on y va. Bon, par contre, Dimitri, il s'est croché à mon cul, là, pour grimper la côte de Vallombrun. C'est moi qui donnais le tempo devant. Alors, un petit tempo tranquillou, hein, on est d'accord, hein, surtout moi. Mais bon, il s'est croché à mon cul derrière, là, pour grimper. Sauf que là, dans la descente, bah, on a perdu Dimitri. Sauf que, on est bien obligé d'attendre, puisque c'est lui qui a les clés de la bagnole. Dimitri, mange-toi, bordel. Toi, t'as marché dans une merde, mon gars. Mais un truc, regarde ton pied droit. Oh la vache! Ça, c'est beau, quoi. Ça, ça veut dire que tu peux faire ça. Attends! Ah merde, je voulais la prendre en vidéo, j'ai pas pris. Oh la vache! Ah ouais! La nana, elle a dit, ça descend jusqu'en bas. Si ça monte un mètre, je vais lui chercher son quad. La ville, elle était là-bas, là. Ouais? Pourquoi on va là-bas? Bah, on fait un petit tour. On descend en fait. On descend par le chemin le plus facile. Ouais, c'est ça. Hey, vas-y, j'ai envie de garder ça en souvenir. Non. S'en fout, il y a des machins. Allez, on fait attention aux jambes. Aux cailloux. Oui, beau caillou,